alors qu'elle fait du mal, cette finale. Cette finale, les amis, elle est horrible. Elle est vraiment horrible, cette finale entre l'Argentine et la France. Parce que t'as tellement d'émotions qui sont passées durant tout le match. Enfin, moi, personnellement, de mon côté, je sais pas, je suis passé par à peu près toutes les émotions qui pouvaient exister dans une finale de Coupe du Monde. T'as la colère, t'as la fierté, t'as de l'espoir, t'as tout plein d'émotions qui sont venues m'impacter. Et pour une défaite. Les amis, bien sûr, on va parler de cette finale-là, on va parler quand même de pas mal de choses, parce qu'il y a tellement de choses à retenir justement de cette finale-là, que ce soit justement pour les joueurs qui étaient là pour l'équipe de France et qui se sont réellement battus, il y a des noms à retenir. Et c'est pas forcément que Kylian Mbappé, il y a des joueurs qui ont été exceptionnels. On va parler également de l'arbitrage qui pour moi a été complètement catastrophique. Mais bien sûr, juste avant de démarrer ce débrief-là, je tenais déjà à m'excuser parce que j'avais prévu un live avec justement tous les abonnés. Et il se trouve qu'il y a 4 ans, j'étais pas du tout en France quand il y a eu la finale de la Coupe du Monde. Et cette année, justement, on m'a proposé d'aller voir dehors et je me suis dit, j'ai longtemps hésité, mais vraiment très longtemps hésité à me dire, est-ce que je fais live avec les abonnés, comme je l'avais dit, ou tout simplement, est-ce que je vais vivre cette finale que je n'ai jamais vécue en France? Donc c'est pour ça, les amis, j'ai fait un choix, et j'ai fait un choix qui était très très dur à prendre, mais voilà, je tenais quand même à m'excuser, mais sachez qu'en tout cas, j'ai vécu un moment, encore une fois, toutes les émotions étaient là, mais vraiment, c'était impressionnant, et le problème, c'est que ça finit par un malheur terrible. En fait, pour vous expliquer clairement et pour vous montrer à quel point c'était horrible, je suis allé en ville, je suis allé dans un restaurant où justement il y avait très peu de monde parce que je voulais pas du tout être mélangé à la foule pour absolument rien voir. J'adore l'ambiance, mais je voulais au moins minimum voir quelque chose. Je suis pas spécialement le plus grand de tous les supporters qu'il y avait en centre-ville, donc je ne voyais rien. C'est pour ça qu'on est parti dans un restaurant et il y avait justement un écran, on pouvait voir le match. Seul problème, c'est qu'à 2-0, j'avais la haine. À 2-0, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Pourquoi l'équipe de France ne fait rien du tout? Il y a moyen de faire quelque chose. Mais en fait, ils avaient tellement peur de l'Argentine qu'ils ne faisaient absolument rien du tout. Une seule frappe cadrée à la 70e minute. Donc je devenais dingue, j'en pouvais plus. Mais en même temps, je n'avais pas du stress. Je me disais, pour moi, c'est terminé, il ne faut même plus en parler. Et pour moi, ça va se terminer comme ça. L'équipe de France n'est pas à la hauteur. Mais surtout, on ne reconnaissait pas l'équipe de France. Pour moi, ce n'était pas l'équipe de France. Il manquait quelque chose. Mais vous savez qu'il y avait Kolo Muani et Marcus Thuram qui allaient débarquer à ce moment-là. Et je me suis dit, s'il doit se passer quelque chose, il faut que ça arrive, mais alors très très vite. Parce que plus ça avance, plus le temps restant il est en train de se resserrer. Et au bout d'un moment, on va mettre un but. Au bout d'un moment, on va avoir de l'espoir. Mais il sera complètement trop tard. Et le problème, c'est que la télévision, elle s'est éteinte du bar. J'étais dégoûté. Et je peux vous assurer qu'on a couru dans la rue. Et c'est à ce moment-là que l'équipe de France a marqué le tout premier but. Grâce à Kylian Mbappé. Et là, je sais pas, dans ce moment-là, tu te dis, mais ça y est, enfin, le sursaut d'orgueil, il est là, on peut le faire. C'est pas perdu, fallait absolument le faire, on est en train, peut-être, de le faire. Vous avez bien vu, justement, les vidéos, et ça, bien sûr, c'était après l'ambiance. Donc, juste avant, ça partait dans tous les sens, il y avait une ambiance de folie. J'ai essayé de vous capturer un minimum de vidéos, mais bien sûr, capturer des vidéos au milieu de 500 personnes, voire de 1000 personnes, j'avais envie de retrouver mon iPhone en bonne santé, je vous le dis clairement. Mais bref, le moment où je suis arrivé dans la foule, j'ai vu juste au bout de l'écran le filet bouger. Et j'ai vu tout le monde sauter, je me suis dit, là il se passe quelque chose. Et là je suis passé vraiment de la colère à me dire, mais est-ce que vraiment cette équipe de France, elle est invincible ou pas? Elle est invincible parce que là il va se passer quelque chose. Et pour moi, vous savez que je tiens énormément aux détails durant un match, surtout pour la Coupe du Monde. Les gars, c'était juste impressionnant ce qui s'est passé. C'était juste impressionnant parce qu'à ce moment-là, toutes les personnes, je connaissais personne quasiment autour de moi, sauf les amis proches bien sûr, mais à ce moment-là, tout le gens étaient amis autour de toi. C'était complètement fou. L'expérience à ce moment-là que tu vis, elle est incroyable. Tout le monde saute de joie et c'est surtout qu'à ce moment-là, tu te dis, l'équipe de France est en train de faire le plus beau match de l'histoire des Bleus quasiment. Parce que 2-0 face à l'Argentine pour aller récupérer cette fameuse 3e étoile, Messi contre Kylian Mbappé. Est-ce que l'équipe de France est en train de faire la plus belle remontada de l'histoire de la Coupe du Monde? Grâce bien sûr à Kylian Mbappé, qui venait justement de mettre son 2e but. Après, vous savez très bien ce qui s'est passé, il y a eu le 3e but, il y a eu également le 3e but de l'équipe de France, ça devenait complètement fou. C'était des ascenseurs émotionnels à répétition, c'est-à-dire que d'un coup on était calmé par l'Argentine, d'un coup on revenait,
Et bien sûr, après, il y a eu ce frappe de Kolo Muani qui est passé à 2 mm de juste tuer le match, tuer les Argentins, et bien sûr de faire exploser la France tout entière. On serait sorti d'un match comme ça, juste avec une victoire. Ça aurait été, je pense, la plus belle victoire de l'histoire de l'équipe de France. Parce que rappelez-vous quand même le nombre de personnes qui n'ont pas été là. Mais moi, quand je vous dis l'ambiance qu'il y avait autour, justement, en centre-ville, c'était une explosion de joie, une explosion de stress, des gens stressés de partout, des ascenseurs émotionnels à répétition. C'était très, 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 très dur de tenir. La seule chose qu'on voulait, c'était juste dire l'équipe de France est en train de faire un immense exploit. Et on commençait à avoir de l'espoir. Et juste, ça aurait été magnifique de terminer comme ça. Je peux vous dire que quand on arrive au pénalty, et que juste, tout simplement, il y a deux pénaltys qui ont raté, c'est une descente aux enfers, en fait. Et à la fin, c'est pour ça justement que je vous raconte l'histoire, c'est que à la fin justement, le dernier pénalty qui est mis par l'Argentine, il y avait un silence de mort dans toute la ville. Il y avait complètement un silence de mort, plus personne ne parlait. Ça a duré je pense 10 secondes, mais à la fin les gars, il y a tout le monde qui applaudit. Et ça, je trouvais ça magnifique. Donc bref, c'est pour vous dire que justement pour clôturer un petit peu ce chapitre de la vidéo et après débriefer à fond, c'est pour vous dire à quel point il y a eu de la frustration, il y a eu énormément de colère parce qu'on avait envie de rentrer sur le terrain et de bouger les Français, de leur dire arrêtez d'avoir peur, c'est le dernier match, faut y aller, vous n'avez pas cadré un seul tir, vous n'avez même pas tiré une seule fois. Et après justement on avait tellement de colère qui s'est transformée en de l'espoir, qui s'est transformée en on va le faire. Ça ne peut pas se terminer autrement, l'histoire de l'équipe de France pour la 3e étoile ne peut pas se terminer autrement, c'est trop beau pour être vrai. Et jusqu'à malheureusement une redescente aux enfers. Et en se disant mine de rien, ben bravo en fait. Bravo parce que pendant 20 minutes, vous êtes allé chercher quelque chose qui était presque impossible à aller chercher. Bon, maintenant passons au match. Il y a pas mal de choses à dire. Déjà, oui, forcément, avec un arbitre beaucoup moins pourri, je suis sûr qu'on aurait pu faire quelque chose. Si on reprend justement étape par étape, le premier but, le pénalty d'Ousmane Dembélé, il est inexistant. Allez vérifier en détail, vous verrez qu'il n'y a pas contact. Les journalistes le disent, quand vous voyez des vidéos millimétrées, il n'y a pas pénalty. Mais le pire dans tout ça, c'est que, imaginons que ce soit une erreur de l'arbitre. On nous saoule en Ligue 1 pendant des matchs et des matchs contre le Paris Saint-Germain pour absolument récupérer la VAR pour avoir un pénalty face au Paris Saint-Germain. On est dans le match le plus important des 4 dernières années. Il n'y a pas de VAR. Donc déjà, pour moi, c'est un but qui ne doit pas être présent. Sur le deuxième but, l'équipe de France est complètement en retard et se fait rattraper. L'action de jeu de l'Argentine, elle est foudroyante et clairement magnifique. L'extérieur de Messi. Et ensuite, bien sûr, la contre-attaque. Il n'y a rien à dire. On est clairement en retard. Et on n'a pas été bon. Mais le troisième but, si vraiment on va complètement dans le détail. Vous savez, le but de l'Argentine durant la prolongation. Ce but-là, il y a deux détails qui prouvent qu'il ne doit pas avoir lieu. La première chose, et on va être ultra pointilleux, et ça je suis sûr à 98% qu'il y a en jeu. Si vous regardez bien justement, si encore une fois on réutilise la VAR, normalement la règle c'est si jamais il y a un morceau du corps qui dépasse la dernière ligne défensive, forcément il y a en jeu. Et vous savez, des fois ça se joue à un bout de nez, ça se joue à un poil de cheveux, ça se joue à n'importe quoi, mais ça peut frustrer énormément le buteur. Et à ce moment-là, il y a une phalange qui dépasse. Oui, je sais, c'est tiré par les cheveux, mais souvent ça va contre nous, et là cette fois-ci, ça va encore plus contre nous, parce que normalement il y a hors-jeu. Mais bon bref, imaginons qu'il n'y ait pas hors-jeu à ce moment-là. Allons encore plus dans le détail, et là on va parler de loi dans le football. C'est-à-dire que lorsque Messi met son dernier but, lorsqu'il met justement le 3-2, lorsque Messi s'apprête à tirer le ballon avant qu'il ait franchi la ligne, il ne doit y avoir personne d'autre que les deux équipes et l'arbitre sur le terrain. Et à ce moment-là, je pense que vous avez vu les images. Vous avez déjà le banc argentin qui est déjà rentré sur le terrain avant que le ballon ait franchi la ligne. Normalement, avec la barre, le but est totalement annulé. Bon les amis, c'était juste le moment pour mettre en valeur le fait que l'arbitre, il n'était pas à la hauteur ce soir-là. Après, franchement, je ne suis pas du genre à me dire « à cause de l'arbitre, on a perdu ». Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas à cause d'un arbitre comme ça qu'on a perdu le match. Très loin de là. On prend un pénalty, même s'il n'est pas mérité. Normalement, l'équipe de France doit réagir très très vite. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'équipe de France, elle a été magnifique pendant 20 minutes. Elle est allée chercher un exploit qui était plus du tout atteignable. Mais il ne faut pas non plus oublier les 70 premières minutes, où l'équipe de France nous a mis en colère.
l'équipe de France n'était plus là. Et c'était plus l'équipe de France. On avait une équipe qui se faisait marcher dessus pendant 70 minutes. Et nous, dans la tête, on se disait, on ne sera même pas champion du monde. Mais justement, ça va revenir aux joueurs qui m'ont complètement épaté. Des joueurs, et je pense que je vais citer deux noms. Pas forcément des joueurs qui, sur toute la compétition, non, je vais pas forcément mettre en avant Griezmann, parce qu'il a été en plus sorti extrêmement tôt. Je vais mettre en valeur deux joueurs qui, pour moi, ont réveillé l'équipe de France d'une manière où vraiment, et c'est très rare, mais ils m'ont mis des frissons. Le premier, je vous le dis, c'est Kolo Muani. Comment une personne qui débarque en équipe de France sur le match d'avant, au bout de 40 secondes, il met un but. Mais là, sur ce match-là, n'oubliez pas qu'on n'arrivait même pas à tenir le ballon couloir droit avec Ousmane Dembélé, et je ne vais pas trop parler d'Ousmane Dembélé parce que clairement, durant ce match-là, il m'a beaucoup énervé. Il n'arrivait pas à tenir le ballon très haut, ça crée des contre-attaques. De toute façon, le côté droit de l'équipe de France ne marchait pas ce soir-là. Mais Kolo Muani, dès son entrée, il arrivait à récupérer le ballon, pas face à un joueur, mais au milieu de trois joueurs. C'était éblouissant. Franchement, Kolo Muani, il vient de débarquer en équipe de France, et ce qu'il a apporté en équipe de France, jusqu'à même la dernière minute, vous savez, ce ballon qui est à quelques millimètres près, foudroie l'Argentine et on est champion du monde. Ce ballon-là, c'est Kolo Muani qui tire quand même en reprise de volée. Non, vraiment, un immense bravo à Kolo Muani, je trouve. C'est juste des deux matchs de Coupe du Monde complètement éblouissants. Je pense qu'il vous a créé de l'émotion et un immense bravo à ce joueur-là. Kolo Muani, il est dans ses tout débuts avec la sélection et ce qu'il a fait est impressionnant. Et bien sûr, le deuxième joueur, franchement, a été beaucoup critiqué cette année. Mais c'est juste impressionnant, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sur ce match-là, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un joueur mette 4 buts, donc bien sûr 3 buts dans le jeu plus 1 sur pénalty, durant une finale de Coupe du Monde? Donc oui, il y a des pénaltys, oui, il y a des buts dans le jeu, mais c'est surtout la mentalité qu'il avait durant tout ce match. Cette mentalité de donner absolument tout ce qu'il possédait dans sa capacité physique et mentale pour donner la victoire à l'équipe de France. Oui, il n'était pas là pendant les 70 premières minutes, mais regardez son état d'esprit jusqu'à la fin. Le temps réglementaire, le temps additionnel, les prolongations. Et regardez juste, si vous regardez en replay le match, regardez juste le mot qu'il lâche à la fin du temps de la prolongation. Ce mot qui est tellement énervé, mais ce mot en fait, il veut tout simplement dire « J'ai tout donné et j'y suis pas arrivé ». Et ce moment-là, vraiment, il m'a marqué, j'ai trouvé ça impressionnant. Bref, sans trop épiloguer là-dessus, Kylian Mbappé fait une Coupe du Monde vraiment impressionnante. Bien sûr, il finit meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et juste son état d'esprit sur toute la Coupe du Monde est incroyable à son niveau. Il a seulement 24 ans et c'est surtout cette mentalité qu'il a sur cette finale à aller chercher tout ce qu'il peut le plus loin possible sans s'arrêter jusqu'à la dernière seconde. Le problème, c'est qu'il est stoppé et il voulait tout donner, mais il n'a pas réussi. Mais je suis sûr qu'on lui donnait encore 30 minutes. Au pire, il se casse la jambe, mais il donnait jusqu'à la fin. Il ne se serait pas arrêté. Et c'est ça qui est fou quand même. Mais voilà pour moi ces deux joueurs sur ce match-là de la finale qui m'ont vraiment épaté. Et alors après, voilà, quel sentiment avoir après cette finale. L'arbitrage, je vous en ai parlé, mais il faut vraiment laisser de côté. C'est dans tous les cas, même avec un arbitrage complètement pourri, même si une équipe est forte, elle doit y aller dans tous les cas. L'arbitrage au niveau de l'équipe de France ne doit pas forcément être une excuse. Derrière, on aurait dû jouer de la première minute. De la première minute, on aurait dû y aller et leur faire peur. Mais c'est eux qui nous ont fait peur. Et je pensais qu'au retour des vestiaires, il y aurait même une réaction beaucoup plus rapide. Elle a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Mais ça nous a laissé 30 minutes, voire 40 minutes, mais alléchantes, à se retenir le souffle. Vraiment, c'était incroyable. Donc voilà, justement, quel sentiment à retenir de cette Coupe du Monde. C'est fou parce que, vraiment, d'un certain côté, je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Et plus j'y pense, plus je suis déçu parce que cette finale-là, si on l'a terminée par une victoire, ça aurait été vraiment, mais ça aurait été magnifique. Mais le problème, c'est que ils ont mis trop de temps à se réveiller. Donc du coup, on est vraiment passé par l'énervement. Mais ce brin d'espoir qu'ils nous ont donné, c'est quand même impressionnant, mais ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire. Et waouh, ça nous a vraiment fait passer par toutes les émotions. Je pense que je m'en souviendrai très 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 longtemps de cette finale. Je l'ai encore de travers dans tous les cas. J'ai encore complètement de travers parce que ça se joue à rien. Ça se joue vraiment à rien.
Après, se dire que l'Argentine est meilleure que nous, pas forcément. Pas forcément parce que ça reste une victoire sur tir au but. On le sait, on est pourri au tir au but. 2006, la Suisse à l'Euro, et là en finale de la Coupe du Monde encore une fois, on est pourri au tir au but. Ça va pas du tout. Et vraiment, par contre, pour la suite, il y a une nouvelle génération qui va arriver. Elle promet d'être très très belle. En tout cas, les amis, sachez que je suis encore complètement trop déçu d'avoir perdu. Mais j'ai vraiment ce sentiment de me dire, je suis quand même fier d'eux. Je suis quand même fier d'eux parce que même quand ils étaient abattus, pendant tout le temps où ils étaient abattus, ils nous ont donné cette flamme. Ils nous ont donné cette flamme en se disant, tant que c'est pas fini, tant que le coup de sifflet final n'est pas sifflé, on peut le faire. Et je pense que les applaudissements justement du centre-ville viennent complètement de là. Parce qu'à mon avis, tout le monde est déçu d'avoir perdu cette fameuse troisième étoile. Mais je pense que tout le monde autour de nous vous diront, cette équipe de France, on peut quand même être extrêmement fier d'elle. Parce que n'oubliez pas d'où elle vient. N'oubliez pas tous les absents qu'il y avait. Je suis très déçu, mais dans tous les cas, je suis tellement fier de ce qu'a fait l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bien sûr très vite. Il y a une nouvelle surprise qui va arriver très prochainement sur la chaîne. Je vous en parlerai très bientôt. Mais surtout les amis, on va commencer à reparler du Paris Saint-Germain. On va se retrouver très très vite. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Ouais, ça fait mal, mais trop fier de l'équipe de France quand même. À très vite les amis. Et bien sûr, n'oubliez pas. Allez les bleus.